Julien, un bon début de match et encore une défaite dans votre terrain. Ouais, c'est vrai qu'on a bien débuté le match. On était costaud défensivement, on a réussi à mettre 2-3 contres. Mais malheureusement, on n'a pas été efficace devant le but et on le paye cash. Parce que Toulouse connaît la musique, ils savent, ils ont l'expérience. Et dès la moindre erreur, ils nous le font payer cash. Mais Julien, qu'est-ce qui manque pour vraiment voir lancer votre saison, quoi? Je pense un peu plus d'efficacité dans les deux surfaces, défendre mieux et mettre plus de buts. Ok Julien, ben, on va vous souhaiter quand même une bonne saison. Quoi. Ouais, merci. Manuel, tu retrouves le sourire, tu marques un but, t'avais besoin de ça. Ouais, j'avais besoin de ça, j'étais dans une période difficile. Et la chance est revenue et là, ça fait vraiment plaisir, même si le but est un peu hasardeux, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Au-delà de la victoire, ça arrête aussi une certaine hémorragie depuis un certain temps, côté toulousain. Oui, ça réconcilie, parce qu'on était une suite de matchs moyens, on a perdu, là ça va nous remettre confiance. On finit bien notre semaine avec la qualification qu'on a eue à Caen, donc c'est super pour nous. Si les pépins t'épargnent, j'espère que ta saison va être lancée avec ce but, quoi. Ben, c'est ce que j'espère. Maintenant, la cheville commence à me laisser un peu tranquille. Donc, je travaille pour ça et voilà, elle est lancée. Hein. J'ai eu besoin de la chance, elle est revenue. Donc maintenant, la confiance est là et ça va aller. Merci Manu. Je tiens à embrasser ma femme et mon fils qui me soutiennent depuis toujours. Merci, je vous aime.